Je suis vraiment ravi de retrouver tous mes clients parce que il y en a, ça fait des années que je les ai pas vus. Le but de la soirée, c'est vraiment de mettre mes collaborateurs à l'honneur parce que sans eux, on fait rien. Aujourd'hui, on fait 70% de nos réalisations en Savoie parce que on aime quand même bien travailler entre Savoyards. Et puis après, on s'étend quand même sur la Haute-Savoie et un petit peu sur l'Isère. J'imagine toujours que je puisse m'associer avec mon client sur son projet parce que je veux que les affaires marchent. C'est une belle équipe que j'apprends à découvrir, des jeunes. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je passe dans les doyennes, ça y est, de l'entreprise. Mais une équipe très dynamique, très soudée, pleine de motivation, d'envie, et hyper impliquée, ça fait plaisir à voir. L'ADN Decora, c'est avant tout une grande famille, tous ensemble avec les collaborateurs. Et le but, c'est de travailler main dans la main, tous ensemble, pour avancer sur un but commun, de pouvoir répondre à nos clients du mieux possible, avec une grande qualité de travaux, et à la fin, que le client soit satisfait du mieux possible. C'est avant tout le parcours assez atypique, et pourquoi pas dire un très bon exemple d'un jeune investisseur, entrepreneur, et je crois que le mot d'entrepreneur lui va bien, de quelqu'un qui réussit sur cette ville, qui a beaucoup de possibilités de développement pour des entreprises de celle Decora. Pourquoi ? Parce que le marché du commerce fonctionne, qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont été rénovées, qui ont permis à d'autres entrepreneurs de venir s'installer, et ils concourent aussi au renouveau de cette ville, et je m'en réjouis. C'est vraiment une facilité pour moi de mise en œuvre, parce qu'il faut gérer tous les corps de métier. Il gère tout de A à Z. Il m'a fait 3 ou 4 magasins clés en main, donc je me suis occupé de rien. Dont des très belles boutiques, des Tommy Hilfiger et un Ralph Lauren à Lyon. C'est quand même un très beau projet. Voilà, c'est un mec sérieux, c'est un copain. On travaille avec Ecora depuis près de 4 ans. On a commencé par la rénovation de notre restaurant d'application. C'est le premier projet qu'on a eu ensemble. Et après, on a enchaîné depuis 4 ans avec la rénovation complète du site. Donc nos salles de classe, nos espaces d'accueil. On a quelque chose qui se démarque du quotidien. Et il y a une vraie signature Ecora, et c'est pour ça qu'on bosse avec cette société. Ils travaillent avec beaucoup d'acteurs chambériens. Et c'est vrai que ça nous représente quand même une image. Et ça nous représente aussi un partenariat agréable à travailler avec Ecora. Quand on voit les bâtiments avec tous ces modules empilés les uns sur les autres, on a trouvé ça magique la première fois qu'on l'a vu. C'est le début d'une belle réussite. Ecora, on découvre une entreprise finalement qui a plein de compétences. Ça donne envie de travailler avec. Une belle entreprise. Bravo, bravo Guillaume, et bravo à toute l'équipe.